notamment l'affiche japonaise, que je trouve très belle. On va la voir. Elle est ici. L'affiche japonaise du film, bon, évidemment, il y a les caractères en japonais et le. C'est comme une vignette de manga, je trouve. Alors, évidemment, ça, c'est ce qui sert pour la couverture du livre. J'ai beaucoup aimé les présentations des extraits de films qui n'arrivent pas n'importe comment, qui sont mis en situation. Et puis il y a des objets, dont notamment la robe dans la folie des grandeurs, la statue du musée Grévin qui représente Louis de Funès en gendarme, la baguette, évidemment la baguette du Kapellmeister de la Grande Vadrouille. J'ai beaucoup aimé aussi le scénario original prêté par Daniel Thompson avec des annotations de Gérard Houry et ça m'a fait me souvenir curieusement des quelque chose que je connais bien qui sont les copiones, c'est-à-dire les scénarios originaux de Fellini dans lesquels il griffonnait, il faisait des dessins. Et c'est quelque chose qui est intéressant dans la magie du cinéma, c'est de voir les scénarios parce que c'est l'écriture qui est finalement à la base du film. J'avais déjà écrit chez Grémez un livre sur l'Atalante de Jean Vigo et pour la collection que dirige Carole Aurouet, je me suis dit, la collection s'appelle « Les films sélectionnés ». Donc l'idée, c'est de parler de films qui ont marqué les esprits. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas lui proposer de parler de La Grande Vadrouille? Et curieusement, contrairement à toute attente, elle a accepté. Parce que si on regarde le catalogue, c'est vrai que La Grande Vadrouille, l'idée, c'est un peu bizarre de parler de ce film qui est un grand succès commercial. Et en fait, la collection correspond tout à fait parce que il faut présenter d'abord le film par rapport à ses propres souvenirs. Et donc du coup, moi, ça m'a permis de me pencher sur cette idole de ma jeunesse, en fait, Louis de Funès, et ce film que j'aimais beaucoup regarder en famille puisqu'il a été multi-rediffusé à la télévision. Et c'est aussi un souvenir, puisque c'est le dernier film que j'aurais vu quand ma maman est passée à Paris, juste quelques jours avant qu'elle ne meure brutalement. C'est la collection donc de Stéphane Guérard, ce jeune homme qui a commencé à écrire à toutes les personnes qui avaient connu De Funès et Gérard Houy, et qui a obtenu je ne sais pas combien de centaines de milliers d'objets, dont notamment la baguette. Et ça a été prêté par Daniel Thompson, puisqu'elle avait participé au scénario. C'est le scénario annoté de la main de Gérard Houy. Le film s'est fait massacrer par toute l'intelligentsia française, presque, sauf Henri Chapier dans Combat, qui avait fait un article de 3 pages très très élogieux, et finalement le temps lui a donné raison, parce que c'est un film, c'est pas de la grosse rigolade, c'est quelque chose d'assez profond je trouve. Alors le plaisir, c'était de revenir justement sur des souvenirs d'enfance, c'est-à-dire s'interroger sur ce qui nous a fait rêver, ce qui nous a fait rire. Donc revenir vraiment à la source de ces plans. Et c'est vrai que c'est un film qui est très innovant sur beaucoup de plans, et notamment la mise en scène. Par exemple, à la page 59, on trouve des vignettes qui représentent la fameuse séquence qui est dans l'ascenseur lorsque Bourville arrive chez une inconnue d'ailleurs, dont il tombera amoureux, avec un pilote de la Royal Air Force qui sont tombés en parachute sur Paris et qui deviennent justement des résistants, mais non pas par choix, mais par la force des choses. Par les vignettes, on trouve tout le travail qui a été fait autour de ces plans
Et je trouve ça, pas que ça, mais c'est un exemple du grand cinéma populaire qu'on savait faire alors. Également, ce qui a donné lieu à la couverture et qu'on voit et qu'on a vu partout, c'est quand De Funès se retrouve lors de leur escapade sur les épaules de Bourville. Ça, c'est une idée aussi à De Funès et qui fonctionne très bien. L'idée, c'était qu'ils s'échappent côte à côte et en passant par-dessus le muret, lors des répétitions, De Funès a eu cette idée de monter sur ses épaules. Et justement, ça voulait dire beaucoup de choses. C'était Maître Puntilla et son valet Matisse et la Commedia dell'arte, c'est-à-dire le maître, puisque lui, il est d'une classe supérieure, il est chef d'orchestre internationalement reconnu, et l'autre est un petit peintre en bâtiment. La façon qu'il a de le dominer, de l'écraser, et c'était rendu par cette simple image, et qui est à la fois comique, bien sûr. Il y a la scène dans le hammam aussi, qui est très drôle. Je ne sais pas si on pourrait la tourner de nos jours, mais elle est très drôle. Alors, est-ce que je prends autant de plaisir à écrire sur le cinéma? Je pense que oui, puisque j'arrive pas à m'arrêter d'écrire, parce que là, j'ai le projet d'un livre collectif sur Polanski. Il y a ce roman qui va sortir sur Depardieu, donc j'ai des idées. Après, le problème, c'est que le cinéma traverse... Enfin, le cinéma, oui, mais surtout, les livres autour du cinéma connaissent une crise incroyable, c'est-à-dire qu'ils ne se vendent pas. Alors, on se demande pourquoi on écrit. Après, vous me dites que le cinéma est en train de changer. Oui, vous avez raison. Surtout, après le confinement, on s'aperçoit que les gens n'ont plus la même approche devant le cinéma. Mais peut-être que ces livres-là, ces livres autour du cinéma, les aideront maintenant à comprendre le cinéma qu'ils vont voir depuis chez eux. Que ce soit sur des VOD, que ce soit par des DVD qu'ils vont projeter sur les murs. Mais j'espère quand même que les gens vont retourner au cinéma. Ça, je l'espère de tout cœur parce que moi, je suis quand même d'une génération un peu ancienne et c'était nous notre approche du cinéma.